est trop long que t'es serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Si je vous attrape, vous êtes cuit. Youhou. Touché. Allez, Céline, c'est ton tour maintenant. À moi? Ben non, en fait, j'ai pas tellement envie de jouer. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur du noir. Elle a peur du noir. Elle a peur du noir. Maman, il va faire complètement noir avec l'éclipse. J'ai peur. Mais non, ma chérie. Question, j'y aille. Ah, j'ai peur. Les gars, venez voir. J'ai trouvé l'entrée d'une grotte. Tadam! Voilà la grotte du lac aux mille cristaux. Une grotte, c'est trop génial. Alors, qui veut venir l'explorer avec moi? Moi, je viens aussi. On y va tous. Vous êtes sûr qu'on a le droit d'y aller? C'est peut-être un endroit super dangereux. Allez, Céline, amène-toi au lieu de trouver des excuses. Mais oui, grandis un peu, c'est les bébés qui ont peur du noir. Arrête de dire ça, j'ai même pas peur du noir. Bon, bah nous on y va quand même, hein. À tout à l'heure. Oh non. Moi, je vous dis, il faut qu'on retourne en arrière. On peut pas laisser Céline toute seule. Hé, hey, oh, qui m'a touché la tête? C'est peut-être une chauve-souris géante qui rôde autour de nous. C'est peut-être un vampire. Non, mais je rêve. C'est pas un peu fini, vos trucs de mauviette ou quoi? Ah! Ah! Hey, Paco, rallume, joue pas à ça. Allez! Je peux pas, j'ai perdu ma lampe de poche. Quoi? C'est pas vrai! Oh non! Ah, il fait tout noir! On a peur! On voit rien du tout! Ah hein? Eh oh! Vous êtes où? Vous êtes où? À l'aide! Ah, au secours! Coucou! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? On a un peu peur du noir, c'est ça? Céline, c'est bien toi? Mais comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Ouh! T'as plus peur du noir maintenant? Peur du noir? Tu rigoles? J'y vois comme en plein jour, moi. Je suis devenue... super peur du noir!
D'ailleurs, Timon, tu pourrais enlever les doigts de ton nez. Hein? Bon, on ne doit pas être très loin du lac. Suivez-moi. Non, on veut sortir d'ici. Oh là là, quelle bande de chuchotes. Ils ont vraiment peur du noir. Allez, accrochez-vous à moi. On va faire la chenille. C'est de la lumière. C'est mieux. Oh. Céline, on pourrait rentrer tous les deux, parce que je dois dire que moi aussi, j'ai un petit peu peur du noir quelquefois. Maintenant, répondez franchement à la question. Qui n'a jamais eu peur du noir? Celui qui dit non est un vrai... Ma mère va me tuer. Oh non, Romain! Je te jure que j'ai fait attention. J'ai vraiment essayé de pas me salir, mais... Cette fois, fais vraiment attention à ne pas te salir. Je ne veux pas que tu sois encore renvoyé du spectacle. T'inquiète, maman. Ça commence juste dans 2 heures. Oui, justement. Et... Romain! Tu verras, elle est super bien, notre chorale. Oh. Oula. Ah! Salut, monsieur le cracra. Tu t'es fait super beau pour la chorale. Ah, t'approches pas de moi, Lulu. Tu vas me salir.
Hey, hein? Romain, t'as une tache là. Pistache. Oula. Étoile Cracra, je te préviens, la moindre tache et tu viens pas chanter. Tu nous as assez mis la honte la dernière fois avec ton t-shirt plein de ketchup. Ça va, j'ai compris, c'est bon. Ça fait au moins 10 fois que tu me le dis, ça suffit. Est-ce que tout le monde est prêt pour la répétition générale? Allez! Ça va être à nous de passer sur scène. Pousse-toi de là, le crado. Oh, oh non! Gros loup! Ben voilà, là je te reconnais, le cracra. Oh là 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 là, Natacha va pas être contente. Mais c'est pas vrai. Oh Romain, t'es trop sale. Mais j'y suis pour rien, Natacha. Tout ça c'est à cause de gros loup. Cherche pas d'excuses, hein. Je t'avais prévenu, tu monteras pas sur scène avec non, nous. Non, non. Attends 2 secondes, Natacha. Je vais essayer de les enlever. C'est complètement fichu pour moi. Super! J'ai le méga pouvoir de nettoyage. Je suis Super Crado et je vais pouvoir monter sur scène. Yeah. Ouais, c'est bon les gars. Regardez mon super costume de scène. Il n'y a pas une seule tache. Vous pouvez maintenant applaudir le tandem Gros Loup Grand Dédé qui vont vous présenter leur show Éclat de peinture. Eh les gars, vous voulez rigoler? Venez avec moi, j'ai un petit compte à régler. Préparez-vous pour le grand spectacle, à la fois inédit et interactif. Le premier d'entre vous qui reconnaîtra le personnage que nous allons peindre gagne le tableau. Hop. Alors là, Romain, c'est trop drôle ce que t'arrives à faire. J'y crois pas. T'es trop fort, Romain! Bravo! Continue, Romain! Encore! C'est quoi ça? Moi, j'ai trouvé! Ils ont fait le portrait de l'homme invisible! Ça vous fait bien marrer, hein? Tenez! Alors c'était toi qui nous effaçais la peinture, hein? Ouais, et c'est pas la peine d'insister, gros loup. J'ai le pouvoir de tout nettoyer. Nous poursuivons notre spectacle avec Natacha et sa superbe chorale. Allez vite, tous en scène. Romain, s'il te plaît, et moi alors, qu'est-ce que je fais? Quoi, toi? Je te trouve bien trop cracra pour chanter avec nous. Je suis désolée pour tout à l'heure, j'ai été trop dure avec toi. Je te promets que je t'en mettrai plus pour une toute petite tache de rien du tout, d'accord? Oh non! J'ai perdu mon super pouvoir! Oh, oh non! Non! Hein? Au fait, tu disais quoi tout à l'heure, Romain? Pouvoir de super nettoyage? Elle est bien bonne, celle-là! Ben les gars, bon spectacle alors! On sera là pour vous applaudir! Je vous disais donc, nous accueillons Natacha et son groupe de choristes! Les gars, où est le problème? Un crado tout seul, ça fait tâche. Mais là, on est tous crado, alors on pourra dire que c'est notre costume de scène. Vite, on y va. Romain a raison, dépêchons-nous. Alors L'école est finie, on est en vacances. Les devoirs, c'est terminé, les contrôles, c'est terminé. La maîtresse nous dit, partez en vacances et vous serez tous bien reposés. Ouais,
ça sert d'être toujours super net s'il suffit d'une petite crotte d'oiseau qui tombe tout droit du ciel sur ta chemisette pour passer aux yeux des autres pour un gros crado? Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Salut Muscleur Minus. Hé, attendez-moi. Attends, petit Louis, je vais t'aider. Il doit y avoir une roulette coincée. Oh, merci, de rien. Tu sais pourquoi petit Louis ne se lave pas les dents? Parce que sa brosse à dents est trop lourde. Tu peux ouvrir. Qu'est-ce qu'ils font? Sacha, il se croit tellement fort qu'il a défié Olivier une main contre deux au bras de fer. Vas-y, Olivier, bats-le! Ah! Oh. Hey, c'est pas du jeu, ça! Qu'est-ce que t'as, le mauvais perdant? T'as un petit problème? Olivier, qu'est-ce que tu fais? Il a gagné parce qu'il a triché! Vous l'avez vu, vous aussi? Il lui a mis un coup avec sa queue! Hein? On dirait que tu m'insultes, là, microbe. On t'a vu. Aïe, aïe, aïe. Pauvre petit Louis. Ça fait rien, petit Louis, laisse tomber. Et alors? J'ai triché, hein? Non, non, t'as pas triché. C'est moi qui me suis trompée. Wouah, génial le toqué molosse argenté. C'est à moi. Qu'est-ce qu'il dit, le moucheron? Hein? C'est à toi. Mais si tu veux, tu peux toujours essayer de le gagner honnêtement, en me battant au bras de fer. Alors, à qui le tour? Je suis le plus gringalet de tous les gringalets du monde. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Ouais! Oh! Je suis super fort! Laissez-moi vous aider. Attention, messieurs, dames, laissez passer!
Si je perds, je te file toute ma collecte de Tokémonde. Mais si je gagne, tu devras rendre aux copains tous les jouets que tu leur as pris. Si tu gagnes, je te chanterai même Petit Papa Noël en muant les fesses si tu veux. Oh là là, Petit Louis, il a perdu la boule. Il va se faire écraser les phalanges. Fais pas ça, Petit Louis, c'est pas grave, allez, laisse tomber. Ouvrez bien l'œil, vous autres, si vous ne voulez rien rater du spectacle, car ça risque d'aller très très vite. 3, 2, 1, go! Petit Louis, microbe. T'as cru t'allais y arriver, hein? Oui, je te rappelle. Petit Louis, c'est toi le meilleur. Merci, Petit Louis. Ça, c'était une bonne leçon. T'as été trop fort. C'est moi qui vais te donner une bonne leçon, espèce de mauviette. On se refait un petit tour, Sacha? Non, Petit Louis, c'est toi le plus fort. Mon pouvoir? J'ai perdu mon pouvoir. Sacha, chante-moi Petit Papa Noël en tortillant le popotin. Petit Papa Noël. S'il avait su que je n'avais plus mon pouvoir, il m'aurait massacré. Si t'es toujours demi-portion, alors écoute bien ce petit dicton. Tout dans les bras, rien dans la tête. Rien dans les bras, vite, vite, serre-toi de ta tête. Tu sais, Natacha, tu vas pas regretter de m'avoir pris dans ton équipe. Je me suis entraînée toute la semaine. Ah, j'ai rien vu du tout. Ça n'existe pas, c'est un effet d'optique. On va gagner, tu vas monter. On va gagner, tu vas monter. Surtout Timon, les gars. Participants à la rencontre annuelle interscolaire d'athlétisme.
vu, j'ai rien vu, ça n'existe pas. Très bon départ pour le 4x400 mètres. Carmen, qui était partie en tête, s'est fait doubler par Dino Lénanet. Attention, c'est l'instant critique du passage de témoin. T'as rien vu et ça n'existait pas, c'est ça? Timon, tu fais plus partie de l'équipe! Oh non, Natacha, j'ai pas fait exprès, je suis désolée! On pourrait lui donner une deuxième chance. Pour qu'il nous humilie encore devant 200 personnes et toute la presse locale! Attendez, j'ai peut-être une solution. Non, sérieusement, les filles, j'ai l'air de quoi avec ça? T'as l'air d'un gars qui maintenant ne peut plus mettre ses doigts dans le nez. C'est vraiment la seule solution, Timon. Voilà un très joli saut. 1m30 sans difficulté. Et c'est au tour de Timon qui se bat dans un match de boxe. Et toi alors, raconte, qu'est-ce que t'as fait? Je vomis ce que j'ai dans le ventre si je cours trop vite. Oh. Ça alors? C'est bizarre. Peut-être que le doigt dans le nez, tu y arriverais mieux. Tout à l'heure, je peux te dire que tu l'as bien mis dans le nez. Hein? Tu crois que c'est possible? Waouh! Ma parole, mais t'es devenu super! Ouais, t'as raison! Edouard Charles-Alex, t'as totalement raison! Je suis capable de tout faire! Il suffit que je me mette le doigt dans le nez! C'est génial! Je suis super doigt dans le nez! Wouh! Laisse-moi courir! Tu dois me laisser courir! Je suis super doigt dans le nez! Regarde ce que je sais faire! Tu veux que je te ramène la bouteille d'eau qui est au bout là-bas? Déjà? Je suis super doigt dans le nez! Et je vais gagner les doigts dans le nez en mettant le doigt dans le nez! À vos marques! Prêt? Partez! Mais que se passe-t-il? Mais c'est tout simplement incroyable! Tu serais d'accord, enfin, si t'as rien d'autre de prévu, pour, si tu veux bien, courir le 100 mètres. Tu veux dire comme ça, avec le doigt dans le nez? On va gagner, le doigt dans le nez. On va gagner, le doigt dans le nez. À vos marques. Partez. Et c'est Timon qui franchit la ligne d'arrivée, le doigt dans le nez. Ouais. T'as vraiment été le plus fort. T'en fais pas, c'est déjà oublié. Je suis trop content pour t'en vouloir.
Hey. Une photo avec toute l'équipe maintenant. Bon alors, vous êtes tous des gros dégoûtants. Si tu mets ton doigt dans le nez et que t'en sors une crotte de nez, prends bien garde à ne pas rater ton lancer. Sinon, on voudra te casser le nez. Tignasse, moi je monte pas sur un skate avec toi. Tu peux peut-être me faire une queue de cheval. Des couettes. C'est pas la peine. Ces trucs-là, ça tient jamais. Oh mais si, regarde. Comme ça, tu pourras faire des pubs pour Yeti. Ah, en fait, Jimmy, tu ferais pas la méga descente avec moi? Bonjour, monsieur. C'est pour une coupe. Bon, je vois. Il va falloir qu'on utilise les grands moyens. Assieds-toi là, je reviens tout de suite. Les cheveux qui poussent. Hein? Oh? Vos cheveux?
Ben ça, ça me décoiffe. Vos cheveux poussent. Ils poussent. Ça alors, c'est dingue. Il suffit qu'ils disent pousse pour que... Ah, oh, merci, jeune fille. Merci. Yo, je suis... Super cheveux en pétard. Incroyable. Pousse. T'es tombé dans une boîte de crayons de couleur ou quoi? T'avais raison quand tu disais que je pouvais être mannequin. Mais toi aussi, tu pourrais, hein? Pousse! Hop! Et les amis, admirez la nouvelle coupe mémère en roller de Flore! Trop moche, la coiffure de Flore! Waouh! Trop stylée, ta nouvelle coupe arc-en-ciel! Moi aussi, j'en veux une comme ça! Fais-moi un super look! Ah, moi aussi! Moi aussi! Moi aussi, Vanessa! Vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde! Vanessa, t'as rien perdu du tout. Donne-moi la main. Allez, monte. Si t'as les cheveux comme un Yeti, les coupe pas, c'est trop mimi. Mais quand t'es aux toilettes, les laisse pas tremper dans la cuvette. Alors...
Salut David, ça va? Tu joues à quel jeu? Génial! Les zombies des ténèbres, c'est trop cool! Je peux essayer? Hé! Hey, hein? T'arrêtes pas de parler! Tu me fais perdre mon combat! Et pourquoi t'es fâchée? Parce qu'elle lui a dit ça. Salut David! Tu veux jouer au foot avec nous? Je peux pas! J'arrive au niveau 12! Allez, sois sympa! Viens jouer avec nous! Il nous manque un joueur! Allez, viens, tu feras mumuse avec ton jeu plus tard. Oh non! Mais c'est pas vrai, laissez-moi tranquille! On m'empêche tout le temps de jouer! Fichez-moi la paix, enfin! Quel pauvre type! Il est complètement accro! Ouais, il a une console de jeu à la place du cerveau. Alors, qui va se charger de faire l'exposé sur les volcans? David! Est-ce que tu es d'accord pour prendre ce sujet? David, non mais tu te moques du monde ou quoi? Je te le confisque! C'est bien fait, ça lui apprendra. Oh non, maîtresse, pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir sans ma console? Vous avez eu tout à fait raison. Regardez ça, les gars! Quelle rigolade! David est carrément atteint! Voulez-vous démarrer la partie? Super délire! Tu m'étonnes que je veux! Niveau 1, séance d'entraînement. Génial! Wouhou! Hop! Alors les gars, t'as vu ça Jimmy? Et toi Lulu, t'as vu comme c'est cool? M'avoir confisqué ma console. Trop fort! Je peux jouer pour de vrai! Je suis devenu super jeu vidéo! Vous avez vu ça, les gars? C'est l'éclat total! Niveau 2, le duel. Oh. Yeah! J'arrive pas à y croire! C'est totalement géant! Méga propulsion ionique! Ah yeah pause. Désolé, gros loup, pause pipi. Ce jeu est trop terrible. C'est bon, on y retourne, gros loup. Double méga coup de poing fatal. Niveau 3, invasion totale. Quoi? Invasion totale. C'est quoi tout ça? Non, soyez cool. M'obligez pas à vous tirer dessus, les gars. Oh là là, c'est horrible. Désolé, les copains, désolé. Oh non, j'ai tiré sur ma maîtresse, c'est la catastrophe. Pause, pause, j'ai dit pause. Niveau 3, pause désactivée. Partie en cours. Ah, non! Invasion totale! Invasion totale! Hé, hey, les gars, on arrête le jeu! C'est plus drôle maintenant! Arrêtez, c'est moi, c'est David! Invasion totale! Oh. Ah, ah. Sortir du jeu! Je veux retrouver la vraie vie comme avant! Niveau 3, pause désactivée. Non! Ah. Invasion totale! Invasion totale! Ah. Ah. Lâchez-moi, au secours!
plus jouer à ce jeu. Je veux arrêter cette partie. Pour une nouvelle partie, appuyez sur le bouton rouge. Jamais! Je ne veux plus jamais jouer à ce jeu. C'est compris? Ah! Non, Greg, me fais pas mal! Qu'est-ce qui t'arrive, David? T'as vu un fantôme ou quoi? C'est bien toi, Greg! Le vrai Greg! Bah oui. Ah! Hein? Ah! Lucien! Jimmy! Tilly! Maîtresse! Comme je suis contente de vous retrouver! Vous êtes tous réels! Ben alors, tu joues pas à ta console aujourd'hui? Bof, non, ça me dit trop rien. Et en plus, je l'ai prêté à Greg. Hein? Si on se faisait un match à la place? D'accord. Si t'es un accro de la console, garde un œil ouvert sur la vraie vie. Du premier au dernier niveau, la vraie vie est bien plus jolie. Dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Tranquille. Tu sais, Natacha, tu vas pas regretter de m'avoir pris dans ton équipe. Je me suis entraînée toute la semaine. Ah, j'ai rien vu du tout. Ça n'existe pas, c'est un effet d'optique. On va gagner, tu vas monter. On va gagner, tu vas danser. Surtout Timon, les gars. Bienvenue à tous les participants à la rencontre annuelle interscolaire d'athlétisme. J'ai rien vu, ça n'existe pas. T'as rien vu et ça n'existait pas, c'est ça? Timon, tu fais plus partie de l'équipe! Oh non, Natacha, j'ai pas fait exprès, je suis désolée! On pourrait lui donner une deuxième chance. Pour qu'il nous humilie encore devant 200 personnes et toute la presse locale! Attendez, j'ai peut-être une solution. Non, sérieusement, les filles, j'ai l'air de quoi avec ça? T'as l'air
souvenir d'un gars qui, maintenant, ne peut plus mettre ses doigts dans le nez. C'est vraiment la seule solution, Timon. Voilà un très joli saut. 1m30 sans difficulté. Et c'est au tour de Timon, qui se croit dans un match de boxe. Et toi alors, raconte, qu'est-ce que t'as fait? Je vomis ce que j'ai d'enfance si je cours trop vite. Oh. Ça alors? C'est bizarre. Peut-être que le doigt dans le nez, tu y arriverais mieux. Tout à l'heure, je peux te dire que tu l'as bien mis dans le nez. Hein? Tu crois que c'est possible? Waouh! Ma parole, mais t'es devenu super! Ouais, t'as raison! Edouard Charles Alex, t'as totalement raison! Je suis capable de tout faire! Il suffit que je me mette le doigt dans le nez! C'est génial! Je suis super doigt dans le nez! Wouh! Laisse-moi courir! Tu dois me laisser courir! Je suis super doigt dans le nez! Regarde ce que je sais faire! Tu veux que je te ramène la bouteille d'eau qui est au bout là-bas? Déjà? Je suis super doigt dans le nez! Et je vais gagner les doigts dans le nez en mettant le doigt dans le nez! À vos marques! Prêt? Partez! Mais que se passe-t-il? Mais c'est tout simplement incroyable! Timon, est-ce que tu serais d'accord? Enfin, si t'as rien d'autre de prévu, pour si tu veux bien courir le 100 mètres. Tu veux dire comme ça, avec le doigt dans le nez? On va gagner le doigt dans le nez! On va gagner le doigt dans le nez! À vos marques! Partez! Et c'est Timon qui franchit la ligne d'arrivée, le doigt dans le nez! Ouais. T'as vraiment été le plus fort. T'en fais pas, c'est déjà oublié. Je suis trop content pour t'en vouloir. Hey. Une photo avec toute l'équipe maintenant. Bah alors, vous êtes tous des gros dégoûtants. Si tu mets ton doigt dans le nez et que t'en sors une crotte de nez, prends bien garde à ne pas rater ton lancer. Sinon, on voudra te casser le nez. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier.
Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Si je vous attrape, vous êtes cuit. Youhou. Touché. Allez Céline, c'est ton tour maintenant. À moi? Ben non, en fait, j'ai pas tellement envie de jouer. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur du noir. Elle a peur du noir. Elle a peur du noir. Maman, il va faire complètement noir avec l'éclipse. Mmh. J'ai peur. Mais non, ma chérie. S'il n'y a pas de lumière, hors de question que j'y aille. D'y aller, c'est peut-être un endroit super dangereux. Allez, Céline, amène-toi au lieu de trouver des excuses. Mais oui, grandis un peu, c'est les bébés qui ont peur du noir. Arrête de dire ça, j'ai même pas peur du noir. Bon, bah nous on y va quand même, hein. À tout à l'heure. Faut qu'on retourne en arrière. On peut pas laisser Céline toute seule. Hé, hey, oh, qui m'a touché la tête? C'est peut-être une chauve-souris géante qui rôde autour de nous. C'est peut-être un vampire. Non mais je rêve. C'est pas un peu fini vos trucs de mauviette ou quoi? Ah! Ah! Hé, hey, Paco, rallume, joue pas à ça. Allez. Je peux pas, j'ai perdu ma lampe de poche. Quoi? C'est pas vrai. Oh. Ah, il fait tout noir. On a peur, on voit rien du tout. On a un peu peur du noir, c'est ça? Céline, c'est bien toi? Mais comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Ouh. T'as plus peur du noir maintenant? Peur du noir? Tu rigoles? J'y vois comme en plein jour, moi. Je suis devenue... super peur du noir! D'ailleurs, Timon, tu pourrais enlever les doigts de ton nez? Hein? Bon, on doit pas être très loin du lac. Suivez-moi. Non, non. On veut sortir d'ici! Oh là là, quelle bande de chuchotes! Ils ont vraiment peur du noir! Allez,
accrochez-vous à moi. On va faire la chenille. Céline, on pourrait rentrer tous les deux, parce que je dois dire que moi aussi, j'ai un petit peu peur du noir quelquefois. Maintenant, répondez franchement à la question. Qui n'a jamais eu peur du noir? Celui qui dit non est un vrai... Je crois que tu me fais peur, espèce de gros... Natacha, tu n'as pas invité ce morveux, j'espère. Bien sûr que non. Viens là, toi!
je fais des miracles avec ma morve. Attention, garez-vous, la super Snurf. Circule, coule du nez, y a rien à voir. Je préviens les pompiers. Désolée, beauté, mais je tiens mes poils. Gros loup, t'as pas vu Natacha? Elle est restée là-haut. Je vais chercher de l'aide. Viens voir Natacha. Je vais te sortir de là. Igor, c'est toi? Non, je suis pas Igor. Je suis Super Snurf. Allez, viens vite. C'est fichu! Ils vont griller comme des merguez, ils sont cuits! Oh. Regardez! J'ai vraiment aucune envie de finir en poulet rôti! Ça n'arrivera pas! Hein? Accroche-toi, on va sauter! Mais je veux pas m'écraser comme une crêpe non plus! Super Snurf, t'es vraiment super, t'es mon héros. Je veux t'inviter à ma prochaine boum. Et toi, Natacha, tu es ma princesse. Non, c'est pas vrai. Encore toi, le morveux. Je crois bien que j'ai perdu mes pouvoirs. N'empêche, vous auriez vu comment il a risqué sa vie pour nous sauver? Ça oui, Elliot, t'as raison, Igor, il est trop fortiche. Ouais, dans ce cas, et si on lui faisait passer le test pour entrer chez les pompiers Junior? Oh, alors c'est très... Bon, c'est d'accord pour le test, mais il va quand même falloir penser à soigner ton rhume, mon garçon. Allez, ramène-toi, poulette. Vaut mieux pas que tu traînes avec cette usine à morve. Lâche-moi. J'ai rien à faire avec une poule mouillée déguisée en loup. Allez, viens, Igor. Tu peux très bien faire pompier avec la morve au nez. Et si jamais tu te fais griller, alors ça fera tout plein de crottes de nez. Pour nous différencier
Demande au mini justicier. Demande au mini justicier. Les mini justiciers. Alors Roger, t'es prêt pour notre virée pique-nique en VTT? T'as la pêche! Je sais pas, je suis... totalement rapabla, on sait! On va faire péter le turbo. Hein, Roger? On n'est pas des mauviettes, nous. Ouais, c'est encore loin, la rivière. Hé, hey, Roger, tu sais qu'il faut appuyer sur les pédales si tu veux avancer? Courage, Roger. Il n'y a plus que 10 petits kilomètres à faire. Jamais pour le pique-nique. Mais je fais ce que je peux. On pourrait faire une pause. Ah non, on en a déjà fait une il y a 5 minutes. Roger, Roger, est-ce que ça va? Hé, Roger, dis-nous quelque chose. Quelle heure il est? Quel lourd! On n'arrivera jamais au lac avec lui. Bon, écoute, Roger, le VTT, c'est pas ton truc. Tu restes là, tu te reposes et on te reprend au retour. Hein? Non, je veux venir avec vous! Non, tu restes là! À tout à l'heure! On voit bien que vous savez pas ce que c'est que d'avoir un petit coup de mou ou un gros. T'as trouvé quelqu'un pour te pousser ou quoi? Pas du tout! Vous avez devant vous Super la patate! Allez, c'est parti! Direction la rivière, en route! Hé, hey Roger, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une fusée aux fesses ou quoi? Oh, moi j'en peux plus! J'arrive plus à avancer! Oh, allez les gars! Encore un petit effort! On n'est pas des mauviettes, les potes! Suivez-moi, je connais un raccourci! Ouais! Arrête! On n'en peut plus! S'il te plaît!
une petite pause. Encore? Mais ça va pas! Si on veut pique-niquer à la rivière, on n'a pas intérêt à traîner! Arrêtez-vous! Hé! Hey, on est perdus! Oh, c'est pas vrai, Roger! Toi et ton raccourci de bidon! Pas de panique! On doit pas être très loin! Suivez-moi, les gars! Moi, je suis trop crevée! Allez, on peut pas rester là! Eh ben si, on peut! Oula! J'ai compris. La rivière! Super! J'ai trouvé le chemin! Levez-vous, je vous dis que je sais où est la rivière! Ah bon, et alors, c'est encore loin d'ici? Non, seulement 2 kilomètres! Laisse tomber, Roger, on n'a qu'à rester là. Tu veux pas t'asseoir un petit peu avec nous? Tu veux pas juste redevenir comme avant? C'était super, mais faut y aller tout de suite si on veut pas rater notre bus. Oh. Roger? Hein? Ouais, Roger! T'es redevenu Roger! Cool! Yahoo! C'est super! Ouais! J'espère que je ne vous retarde pas trop. Non, 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 t'inquiète pas, Roger. Prends tout ton temps. On n'est pas pressé, on t'attend. Tu sais, c'est pas important si t'es tout le temps à plat plat. Nous, on t'aime bien comme tu es. Alors, on pourrait pas faire une petite pause? Si tu te traînes et que t'en as toujours plein les pattes, c'est quand même plus cool pour les copains que d'avoir une fusée dans le train. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. T'avais qu'à pas répéter qu'Igor était amoureux de Natacha. Non mais tu te rends compte? Je te le fais pas dire. Et tout ça alors qu'elle m'avait promis de tenir sa langue. Tu trouves pas ça dingue? Au fait, tu dis rien surtout. J'ai promis à Igor de garder le secret. Voili voilou. Et toi sinon, quoi de neuf? Rien de spécial. Ouh là là, faut que j'aille m'inscrire au concours de récitation. Tu m'attends là? D'accord, Mireille. Tu sais quoi, Edouard Charles? J'adore discuter avec toi. Moi aussi, je suis là! Le doux vent de la vallée fait frémir la rosée. Hein? Alors, Charlie, la bafouille, qu'est-ce que tu vas nous réciter demain? Je suis 10. Diminué. 10 jonctés de la tête. Trop fort, non? Non, je suis dispensé. Sans blague. Lâche-le un peu, gros loup. Des dents, t'as un problème, la pipelette. Pour qui tu te prends à la fin? Pour celui qui va t'écraser comme un rien. Merci pour tout à l'heure, pour ton aide, quoi. Tiens, tiens, je suis sûr qu'Edouard Charles Alex a une bonne blague à nous raconter. Non, fais pas ton timide, tu dois bien en connaître une ou deux, Edouard Charles. Edouard Charles Alex. 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 Une courte alors. C'est l'histoire d'une tortue
Mannequine. Mais le lapin n'écoute pas la tortue. Tortue. La troisième fois. Finalement. Hé, hey, Édouard Charles Alex, tu nous écriras la chute, faut qu'on soit rentré avant la nuit. toi, moi, tu. Hein? S'il vous plaît. Écoutez-moi. Oui, c'est la deuxième à gauche. Je vous voudrais une entrée, s'il vous plaît, monsieur. Et là, alors, je dormeur. J'en ai marre qu'on me cherche des embrouilles et je veux plus qu'on se moque de ma bouille. J'en ai marre qu'on me cherche des embrouilles. Écoute mon flow, il est trop cool. Sous prétexte que je bafouille, y'en a qu'en profite pour se moquer de ma bouille. À tous ceux qui s'entêtent à me prendre la tête, je leur conseille de s'arrêter net. Car ma langue se dérouille, mon flow est super cool et c'est eux qui ont l'air d'une nouille. Je fais danser les mots que je coupe à la hache. Au rythme du temps, je suis super attache. Je suis le roi de la rime, je suis le prince de la tchatch. Avec la classe en prime, je suis super attache. Super attache. Wow, il est dans la place, c'est super la tchatch. Yeah, 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 c'est ça, cousin. Et on applaudit bien fort Igor pour son interprétation de la confiture, ça dégouline. D'enfer! Si c'est pour le carnaval, t'es en avance! Mais comment tu l'as branché? T'es trop fort, gros loup! Si je prends la parole pour vous dire ma pensée, c'est qu'avec un ou deux marioles, j'ai un compte à régler! T'as la cervelle d'une mini mouche et les dents d'un caïman! Et à chaque fois que t'ouvres la bouche, on entend que du vent. Te moquer des poids plumes, tu trouves ça très marrant, t'en tiens vraiment une grosse couche. D'ailleurs, t'as ça, c'est un creux là-dedans! Soit t'arrives à être drôle quand on montre en méchant. Sinon pour qu'on rigole, faut qu'on s'adouille avant. Je m'adresse aux copains qui ont aussi un gros défaut. Un bug quelque part qui leur fait faire de gros cauchemars. Quand on te dit que t'es si maigre qu'on pourrait te faxer, réponds qu'au moins à cache-cache t'as des facilités. Yeah yo yo. Si t'as le pif en airbag et qu'on se moque toujours de toi frérot, t'as qu'à dire qu'à la plage tu t'en sers comme d'une bouée. Yo. Yeah, yeah. Si tes pieds sentent tellement que tes copains ont la rage, t'as qu'à dire que tes parents ils travaillent dans le fromage. Il y a quelqu'un ici à qui je voudrais dire deux mots. Car jamais elle ne rit de ceux qui ont un défaut. Mireille est une grande amie et c'est un vrai cadeau. Même si au niveau du débit, elle n'y va pas mollo. Bravo! Un lapin qui trouve une tortue renversée l'aide à se remettre sur ses pattes, mais la retrouve 5 minutes après encore sur le dos. Le lapin qui est pressé n'écoute pas les longues explications de la tortue. Il la remet de nouveau à l'endroit, mais la troisième fois, il... Hein? Il écoute enfin ce que dit la tortue. Allez! La tortue dit au lapin qu'elle se met sur le dos pour stopper son ok. Ah, bravo. Si ta langue trébuche dans ta bouche, que les mots se bousculent au portillon, si tu veux que ton débit se débouche, t'as qu'à mimer les mots trop pour
est serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Le jeu, c'est d'arriver à passer sans toucher les rayons laser de l'alarme et ensuite de prendre le butin enfermé dans le coffre-fort en trouvant la combinaison. Waouh, génial! Et ce sera quoi le butin? Le butin? Chacun met dans le coffre sa plus forte carte Pokémon. Et le gagnant remporte tout! Non, 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 pas toi, Tony. T'as pas le profil pour le jeu. Bien sûr que si. D'ailleurs, je peux même y jouer mieux que vous. Tony, fais attention! T'as oublié de fermer les volets! Regardez! Y'a Tony qui tricote avec ses oreilles! J'arriverai jamais à la salle du coffre. Ça me gratte les fesses. Et sans chaud dans le braquage aquatique. Il est merveilleux. Incroyable. J'ai le pouvoir de la super écoute de loin. Youhou. Moi je le trouve mignon avec ses oreilles. Quoi? Elle me trouve mignon? Wahou! J'y crois pas! Youpi! Et si je leur faisais un petit contrôle surprise de grammaire? Un contrôle de grammaire? Hé les gars! On va avoir un contrôle surprise de grammaire! Comment tu sais ça? Parce que je suis super feuille de chou! J'ai le pouvoir de super écoute de loin. Ouais, c'est ça, Dumbo. J'ai entendu la maîtresse le dire. Avoue plutôt que t'es jaloux parce qu'avec tes grandes oreilles, tu sais déjà que tu pourras pas gagner. Non, c'est faux. Bon, Dédé, fais-nous le code. Attends, je préfère réviser pour le contrôle. Ouais. Oui, moi aussi. On jouera à la prochaine récré. Bon. Que tout le monde sorte une feuille et un stylo. Contrôle surprise de grammaire. Non. Oh non. Merci Tony. Heureusement que tu nous as prévenus. Ouais, grâce à toi, je vais avoir une super bonne note. Regarde-le, t'as pas trop de quoi frimer avec tes oreilles de mammouth. C'est toujours mieux d'avoir un zéro en grammaire et des oreilles d'âne. Ouais, c'est ça, rigole, rigole, super feuille de chou. On va bien voir si t'es aussi fort en cambriolage qu'en contrôle de grammaire. Allez, mettez tous vos cartes qu'on puisse jouer. Bon, tu me refais les combinaisons en douce comme prévu et après on se partage le butin, d'accord?
Ça y est les gars, j'ai choisi la nouvelle combinaison secrète. Vous aurez 3 essais. Mais je vous préviens, elle est super dure à trouver. Tu l'as noté la combinaison? Bien sûr que je l'ai noté, là-dedans. Parce que si c'est un nombre qui est dur à retenir, comme 213, 465, 879 ou 168, 351... Arrête! Tu vas tout m'embrouiller dans ma tête. Ou encore 442, 873, 366, 221... Et voilà, je m'en souviens plus maintenant. Au moins comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de triche. Perdu, Jean-Loup. Hey, Marie, on voit ta culotte quand tu fais le poirier. C'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. Hé, hey, Tony, fais gaffe, t'es suivi par des oreilles en chou-fleur. Vas-y, Tony, tu peux y arriver. Vas-y. Il est passé. Il a réussi. C'est incroyable. Ouais, t'as été trop fort, Tony. Comment t'as fait ça? Ben, disons juste que j'ai une très bonne oreille. T'as vu comme il est mignon? Oh oh! Je viens de perdre mon super pouvoir. Je sais que tu fais la collecte alors. Tiens, je te les donne. C'est vrai? Tony, t'es vraiment trop chou. Tu veux dire je suis trop chou, fleur? Si quelqu'un te dit que t'as les oreilles en chou-fleur, réponds-lui que d'un côté, il y a peut-être le chou, mais que de l'autre, il y a certainement les fleurs. Pas mal, non? Faut vraiment que t'arrêtes de te laisser faire comme ça, sinon personne te respectera. Tu te trompes, Isabelle. Le vrai respect ne s'impose pas par la force. Hé, matez-moi ce terrain de billes, exactement ce qu'il nous faut. Ah non! Allez jouer ailleurs! C'est notre terrain de billes, on l'a construit! Vu que je suis sympa, je veux bien vous proposer un truc. Vous pourrez garder votre parcours de billes si l'un d'entre vous arrive à battre Dino au bras de fer. Vas-y, Blaise, donne-lui une bonne leçon. Dino, je refuse de faire un bras de fer avec toi. Je te propose de faire la paix, plutôt. Vous avez perdu. Dégagez d'ici, les moucherons. On fait la paix. Tiens, la voilà. Oh. Quelle bande de nuls!
Hein? C'est toi le nul. Quoi? On peut pas régler les problèmes en faisant des bras de fer. Ouais, c'est ça! Pourquoi tu nous dis pas plus tôt que t'avais la trouille, hein? Non! Hein? Non! Lâche ça! Sacha! Oh là là, maman, j'ai trop peur! Blaise va se mettre en colère! Alors, qu'est-ce que t'attends, minable? Tu peux te battre? Non, je veux pas me battre! La violence ne mène à rien! Je veux juste discuter! Ah! Sacha, tu sais bien que ce ballon est à Isabelle. Ah! Et tu ne veux pas qu'Isabelle soit triste, non? Dégage! Ah! Ah! Je suis désolée, Isabelle, je pouvais rien faire de plus. Si, Blaise, tu pouvais! Mais monsieur est un pacifique! Monsieur est contre la violence! Et lui, pendant ce temps-là, il m'a pris mon ballon! Je suis sûre que j'ai raison. Ça sert à rien, la violence. Ah. 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 Tiens. Ah. Ah. Hey. Oh mince, excuse-moi Blaise, je suis vraiment désolé. Je suis tellement maladroit. Quoi? C'est bizarre ça. Bon alors, il rêve là? Non, c'est de votre faute à vous. Bah, vous auriez pu faire attention. Vous êtes dans ma pied. Et vous comme un chauffard. Ça va pas se passer comme ça, hein? Rien. Hein? D'accord. Ouais. Je suis devenu super pacifique. Vous êtes charmant. Et je rends tout le monde super gentil et amoureux. Hey Isabelle, tu veux que j'aille te le chercher ton ballon? Et comment tu vas faire? Lui arracher les mains? Lui casser la figure? Mais non, monsieur préfère les grands discours sur la paix. Il va me le donner. Tu vas voir. Salut Blaise, qu'est-ce qui t'amène? Je peux te rendre service? Tu pourrais envoyer son ballon à Isabelle. Elle peut pas venir à cause des escaliers. Mais bien entendu, avec plaisir. Blaise, qu'est-ce que tu lui as fait à Sacha? Je suis super pacifique. Je rends tous les gens gentils. Ça te dirait une petite partie de billes? Les amis, ça vous dit de venir jouer avec nous? D'accord, mais il faudrait faire une place spéciale à Isabelle pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais bien sûr, bonne idée! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Alors là, j'hallucine, Blaise. Qu'est-ce que tu leur as fait à ces brutes? Ils sont trop... gentils et tout mignons, comme des petits toutous. Et ça, grâce à qui? Grâce à Super Pacifique. Parfait. Alors, c'est l'heure de la vengeance. Aïe. Hey, sois cool avec moi, mon frère. Tiens. Mais non, reste zen, Axel. La violence, ça n'a jamais rien réglé. Non, arrêtez. Qu'est-ce qui vous prend? Va-t'en. Laisse-nous passer, le Pacifique. On a un compte à régler avec eux. Tu veux ma pelle pour creuser ton tunnel? Blaise, t'avais raison! C'est super chouette de pouvoir jouer tous ensemble! Et j'avais jamais vu un parcours de billes aussi grandiose! Ouais, c'est vrai! Là, on peut dire que l'union fait la force! Vive la joie de vivre et les grandes amitiés, les amis! Hé, hein? Hey, les Minus! Vous êtes en train de piétiner notre terrain de billes! Non, c'est notre terrain de billes! Stop! Vous allez finir par bousculer Isabelle. Et en plus, on était en train de jouer ensemble. Et de toute façon, si vous vous battez, vous allez tout casser et il n'y aura plus de parcours de billes pour personne. C'est vrai, Blaise, t'as raison. On va plutôt vous mettre une raclée. En jouant aux billes. Chiche. Ça marche. Allez. C'est trop génial, Blaise. Cette fois,
Tu as vraiment gagné mon respect. De toute façon, s'ils s'étaient pas calmés comme ça, je les aurais tous éclatés au bras de fer. C'est pas facile de se faire respecter quand on se laisse marcher sur les pieds. Mais ce qui impose le vrai respect, c'est bien de savoir faire la paix. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Alors, quelle est sa pointure? 56. 56? Laisse-moi voir tes pieds. Oh. Je crois que j'ai changé d'avis. Je vais plutôt prendre un puzzle à la place. C'est rien. Attendez une seconde, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Alors Roberta, il paraît que tu veux venir au skatepark avec nous. Ouais, mais elle trouve pas drôle leur XXL. Ne les écoute pas, ma petite chérie. Mieux vaut avoir de grands pieds qu'être bête comme ses pieds. J'ai trouvé. Des patins à roulettes réglables. Bon, c'est vrai, ça dépasse un petit peu, mais... Je les prends. Laisse mes pieds tranquilles, d'accord? Roberta, attends! Génial!
Je peux carrément faire du roller avec mes pieds. Je suis super grand pied. Attention, poussez-vous. Hey, regardez là-bas. Waouh, comment elle va vite. Mais comment elle fait? Elle a même pas de roller aux pieds. On dirait qu'elle surfe sur l'air. Roberta, comment tu fais ça? Cherche pas, je suis super grand pied. Alors, on le fait ce parcours ou quoi? Là, je crois que ça va pas être possible. Pour le parcours, c'est fichu. On s'est fait piquer tout notre matériel. Je vais arranger ça. C'était quoi ça? Vous avez vu? Voilà le travail. Voilà rien du tout. Ça n'a rien fait. Ils vont nous massacrer maintenant. Rendez-nous votre matériel tout de suite ou on vous ratatine la tête. Accrochez-vous, vite. Waouh, ça décoiffe. Trop géant comme on fonce. On est rapide comme l'éclair, de vraies flèches. Tes pieds, ils sont magiques, c'est génial. Ils sont bien trop rapides. Ouais, mais nous, on va couper par la place centrale. Ouais, on les a semés. Oh non. Là, on est fichus. Attachez vos ceintures, les gars. En roller, c'était vraiment le pied total. Bon, alors, on va se le faire, ce parcours de roller ou quoi? Oh, oh. Non, j'ai perdu mon super pouvoir. Tiens, Roberta, si tu veux patiner avec nous, promis, juré, craché, on se moquera pas de toi, hein, les gars? Vous avez plutôt pas intérêt, parce que le premier qui se moque de moi, je lui mets directement le pied aux fesses. Et vous pouvez me croire, il y en a de la surface dans ce pied-là. À ceux qui te traitent de pied de canard, mets-leur sous le nez tes grands panards, qu'ils comprennent bien que s'ils continuent, ils pourraient bien se les prendre aux... Oh, fesses ! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Papa, c'est papi, oulala, le bébé, mon papi, c'est papa, oulala. La maman, la mamie, le bébé, le papa, le papi, le bébé. Oulala, le papa, c'est papi, oulala, le bébé, mon papi, c'est papa, oulala. Quand je pense qu'on va chanter en public... T'inquiète, ça va bien se passer. Oh, oh. Tiens, 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 voyez-vous ça, c'est monsieur, je rêve d'être chanteur. Si tu nous gazouillais un petit air, tu serais vraiment chouchouné, Bertie. Il a peut-être une extinction de voix, hein? Dis, Bertie la fillette. Je suis pas une fillette, espèce de gros lourdeau.
Les gars, j'ai piqué la voix de ma petite sœur ce matin. Fichez-lui la paix. Bonjour, je voudrais une baguette. Par ici. Ouais, vas-y. Mes poussons, Marc, passe. Allez. Ouais. Papa, mon papa, c'est papy. Oh là là, le bébé, mon papy, c'est papa. Oh là là, la maman, le papa. Hé, attends Bertrand. Tu chantes plutôt bien, dis donc. J'ai la bonne voix. T'as la bonne voix. Il a la bonne voix. On a la bonne voix. La voix qui nous... Ben fais pas cette tête, Bertie, de flûte à bec. Allez, je te donne une invitation pour notre spectacle de chorale. Eh bien, j'en vois qui sont en pleine forme pour venir au tableau réciter leur poésie. Moi, maîtresse, moi. Richard, tu es déjà passé 4 fois hier. Il faut laisser aussi un peu la place à tes petits camarades de classe. Moi, moi, maîtresse, moi. Bertrand? Très bien, allez, viens au tableau. Allez, Bertie, bonne chance. Eh bien, Bertrand, tu as perdu ta langue? Le démon du récif de Joseph Camanoni. Je crois qu'on va rigoler. Le démon du récif tapis entre les dunes pour qu'il se griffe au clair de lune. Silence, s'il vous plaît, les enfants. Un peu plus de respect pour votre camarade. Bertrand, enfin où vas-tu? Tu n'as pas fini ton poème. Bertrand! Je vous déteste tous. Bertrand, tu m'as... Bertrand, mais qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, c'est dingue, j'ai carrément le super cri qui tue. Qu'est-ce que tu as fait? Le démon du récif par Joseph Carmanoni. Hein, ben quoi? Alors, qu'est-ce qui va pas d'aider la fillette? On s'est fait un gros bobo. Pas mal. Tu sais quoi, Jimmy? Je suis super content d'aller te voir chanter à la chorale. Oh non! Hé, Bertrand, attends! Écoute, Bertie, on a vraiment besoin de lui pour le spectacle. Faut que tu lui rendes sa voix. C'est non! T'as raison, Jimmy n'est pas très sympa, je te l'accorde. C'est qu'une vieille bouse, pas vrai, Jimmy? C'est qu'une vieille chaussette qui fait des blagues nulles et minables, mais qui va vite s'excuser pour tout le mal qu'il t'a fait tout à l'heure. N'est-ce pas, Jimmy? Tu vois? Allez, s'il te plaît, Bertrand, rends-lui sa voix. Fais-le pour moi. Fais-le pour le spectacle. Bon, c'est d'accord. Utilise la force, Bertrand. Bertrand, nom de nom, mais qu'est-ce que t'as fait? J'en sais rien du tout. Bouge pas, je vais essayer. Ah, humiliation. Allez, on avance, grand-mère, j'ai pas que ça fait. Mais qu'est-ce que vous fichiez, nom d'une grosse caisse? On attendait plus que vous. Il y a juste un petit problème, monsieur. Ça va être dur. Oh, nom d'un ornithorynque. Tu as attrapé une mauvaise grippe. Oh, c'est fichu, le spectacle est fichu. Attendez, Bertrand connaît les paroles par cœur, il peut le remplacer. Hein? Quoi, lui? Quoi? Moi? Oh non, je viens de perdre mon super
reculer maintenant. Allez, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maman, maman, mamie, oulala, bébé, mamie, c'est maman, oulala, papa, papa, c'est papi, oulala, bébé, papi, c'est papa, oulala, la maman, la mamie, le bébé, le papa, le papi, le bébé, oulala. Merci beaucoup. Merci à toi, Flore. Bon, maintenant que j'ai retrouvé ma voix, je vais te dire un peu ce que je pense. Alors franchement, faut vite que tu t'inscrives à la chorale avec nous tous, mon pote. Hein? Alors c'est décidé, je vais m'inscrire. Youpi! Si t'as la voix de ta petite sœur et que ça te casse le moral, t'as qu'à faire chanteur et tu seras le roi de la chorale. Salut Charlie. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va Jade? T'es prête pour la dernière répétition avant ce soir? De quoi tu te mêles? On avait déjà Marie qui devient rouge comme une tomate et maintenant on a Jade qui est verte de jalousie. Allez. Vas-y, Marie. Non, mais Jade, ça va pas dans ta tête ou quoi? C'est ça. Prends la défense de ta chouchoute. Jade, c'est toi, t'es vraiment... Vilaine, tu veux dire, c'est ça? Non, virée! T'es trop jalouse! Charlie, tu peux pas me faire ça? Moi aussi, j'ai bossé pour le spectacle! Cette Marie, si je pouvais la... Ah!
On a encore beaucoup de boulot, alors laisse-nous tranquille. Je crois que t'as pas tout compris, toi. Je suis super jalouse. Et si tu veux danser ce soir, ce sera avec moi. Bon, d'accord, tu pourras danser. Mais avec mon t-shirt. T'as raison, va-t'en. Mais n'oublie pas que je suis super jalouse. A piqué la sono. C'est pas possible, elle a pas pu disparaître comme ça, hein? Oh non, comment on va faire alors? On peut pas danser sans musique. Heureusement que Jade n'est pas là, elle serait trop contente. Mais dis pas ça, Jade est très jalouse, mais elle est pas si méchante. Ah, elle est pas méchante, mais franchement, elle est insupportable. Arrête d'être aussi dure. Tu sais bien, Edouard Charles Alex, que si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a un faible pour toi. Ouais, je sais. Faut que je sois un peu plus cool, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On annule le spectacle. Et on rentre chez nous. Attendez! Revenez, les gars! C'est quoi, ça? Natsuno? C'est toi, la voleuse? Ah! Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis super jalouse! Le plus important, c'est de pouvoir faire le spectacle. Allez, viens, t'es plus virée. Mais je peux pas danser, je peux pas me détacher de ça. Mais pour me faire pardonner, je vais vous faire des super scratchs. Tes envies et donne-moi la main. Car dans la vie, écoute-moi bien, rien ne remplacera tes copains.